Bonjour tout le monde et bienvenue dans les bords du lac Ilia. Aujourd'hui, nous jouons encore avec Linkle. Tu as l'air de s'être bien perdu pour pouvoir aller jusqu'au passé. Je me demande ce qu'ils vont dire. Et bien, on va savoir ça tout de suite. Cesse donc d'être impatiente. Zelda et Impa avaient vaincu le Magicero au Temple de l'Eau. Elles repartirent pour leur monde avant leurs compagnons. Ah, elles ont laissé leurs compagnons derrière, ça se peut pas. Uto et Darunia étaient restés sur place pour inspecter les environs et monter la garde. En même temps, c'est normal, c'est chez eux. Ils étaient restés derrière. C'est alors qu'une nouvelle vague de monstres prit le temple d'assaut. Volga, le puissant chevalier dragon, était à leur tête. Avec sa petite barbichette. Il déchaîna sa fureur contre Uto et Darunia. Ils eurent bien du mal à contenir ces assauts. Mais non, mais tu sais, c'est comme Rathalos, tu vois. Ah, ok, tu vois, je vois. Tu vois, oui, oui. Voilà, donc Linkle surgit. Hop, Deus Ex Machina. Ah, je suis dans le Elle se jeta dans la mêlée. Allez, c'est parti. On commence sans plus tarder. Regarde, c'est beau. C'est beau, n'est-ce pas? Ah, ça c'est moins beau par contre. Mais c'est parce que c'est le domaine Zora gelé. Il faut qu'on réussisse. Mais non, moi j'ai toujours trouvé le domaine Zora gelé cool. Il faut qu'on réussisse à le dégeler. J'allais dire, mais je me suis fait attaquer par un chat en même temps, tu vois. Alors j'ai pas pu terminer ma phrase. Parce qu'elle a décidé d'attaquer mes câbles tout le temps. Et toi, aide-nous à vaincre Volga. L'héroïne va vous aider, ne vous inquiétez pas. On est très dans le RP. Linkle. Ça va. Oh, j'ai cassé la porte. Darunia, il a pas honte. Ah, il avance vers Volga, non. Non. Non, Darunia, laisse-moi m'en occuper. C'est moi qui vais tuer Volga. Il est trop dangereux de l'affronter seul. Il faut sortir du temple et porter secours à Darunia. Non, laissez-moi m'occuper des Alphos. Alors c'est Darunia, la demoiselle en détresse de cette mission. Bah après, avant c'était Ruto, tu vois, alors... Je suis devenu folle. Ah, mais en fait c'est Darunia qui prend sa revanche contre Volcania. Mais oui, tu comprends rien. Avec la spécialité Goron en plus. Si nous voulons aider Darunia, il va d'abord nous falloir ouvrir l'entrée du temple. Laissez-moi m'occuper des Alphos. Ah, les ingénieurs, ils sont là. C'est bon, parfait. Tout le monde aime les ingénieurs. J'ai cru qu'ils disaient on se charge de foncer sur la porte. Mais... Non, je suis un peu déçu. Courage, courage. Alors, j'espère que Linkle te plaît au niveau de son gameplay. Parce que visiblement, tu ne joueras qu'avec elle. Après... C'est normal, c'est l'héroïne. Oui. Bon, ça va, les ingénieurs, ils ont pas trop besoin de mon aide, visiblement. Ils sont déjà arrivés. L'armée de la sorcière arrive. Mais c'est dommage qu'on n'a pas les DLC sur la version 3DS. Moi, j'aurais bien voulu mettre d'autres costumes. C'est sûr. Désolé, on n'est pas riche. T'as qu'à demander à tes abonnés de te faire des dons, tout ça. Oh, mais c'est un peu idiot, ça. Faites-moi des dons pour que je puisse acheter des DLC dans Hyrule Warrior. C'est toute ma priorité dans ma vie. Mais oui, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Tu les as déjà achetés sur la version inférieure, la version Wii U, t'as rien compris. Tu sais bien que la Wii U, c'est une mauvaise console, hein, que la 3DS, c'est la vie, tout ça. Mais le pire, c'est que la nuit dernière, je rêvais que quelqu'un me parlait de la Wii U en me disant que tout le monde avait revendu sa Wii U pour acheter une Switch. Et du coup, la personne me parlait comme si j'avais vendu ma Wii U en me disant « Mais c'est pas grave, vous avez dû bien vous amuser dessus. » Et puis moi, je m'offusquais « Mais non, mais j'ai pas vendu ma Wii U, moi je joue encore avec !» Bah ouais. J'ai rien compris. Y a pas encore Splatoon sur la 3DS, tu vois. Bon, et c'est quand que tu l'ouvres la porte, là? Non, j'ai la flemme, moi je... Y a plus d'ennemis? Oh là là, le regard du gourou. Ah non, ok, il y a un ingénieur là-bas, lui... Sur la carte, on dirait qu'il y a personne. Mais si, je t'assure, bah oui, mais non, mais la carte elle est mal faite, elle est toute petite, tu vois, tu comprends rien. En fait, tu vois, il y a des gens. Il y en a un, là, je crois. Allez l'aider. Ah bah, j'aimerais bien, mais je peux pas, tu vois. J'ai pas guéri Gourgon.
Pour ça, c'est plus pratique d'avoir tout sur la même écran. Mais bon, même temps, c'est une 3DS, tu peux pas trop lui en demander. Bah, tu dis ça, mais sur la version Wii U, il y a deux écrans aussi, et t'as quand même tout sur l'écran de la télé. Ah oui, mais la Wii U... Non, pardon, j'avais failli faire des compliments à la Wii U, mais la Wii U, elle est nulle, pardon, excusez-moi. Fais pas de compliments à la Wii U, non mais oh. C'est la pire console de l'existence, tu sais, elle a pas de jeu. Elle a surtout pas Hyrule Warrior dessus. Pour ça, tu vois, on est obligé de jouer à Hyrule Warrior sur 3DS parce que ça existe pas. Mais lui, du coup, il faisait genre, il avait des problèmes, mais en fait, tu vois, non. Hein. Cette sublime façon de marcher. Attends, il faut aller voir l'autre. Parce que, attends, je veux dire, c'est quand même beau de voir un Goron marcher. C'est pas tous les jours que tu vois ça. Regarde ça. De toute façon, t'as que ça à faire, mais c'est oui, ça. Mais oui, j'ai que ça à faire. Regarde ça, là, il arrive. Ah non, il fait des roulades, lui, il a rien compris. Regarde-le là. Oh, regarde, c'est magnifique. Quelle grâce. Quelle grâce dans ses mouvements. Ce qu'elle fait, Ruto aussi. Elle les aide. Regarde. Mais non, allez, oh, là, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Enfin, y en a un, il a pas compris, il retourne en arrière, mais c'est pas grave. Ah, il va plus vite que moi, quand même, hein. Ok, il a disparu. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est pas... Au revoir, Goron. On dirait qu'il boite un peu, quand même. Pauvre petit ingénieur. Il est faible. Allez, les ingénieurs, Goron. Regarde, lui par contre, c'est pas un ingénieur, tu vois. Il lui ressemble, mais ce n'est pas un ingénieur. Ça y est, tu peux y aller! Sublime, fantastique! Je vais enfin pouvoir apprécier ce niveau à sa juste valeur, avec ses belles couleurs. On en est quand même au point où Linkel s'est tellement perdu qu'elle a fini dans le passé, mais qu'en plus, elle s'est retrouvée enfermée dans le temple de l'eau. Elle est trop forte. Oui, c'est clair que Linkel, je sais pas trop comment elle a réussi à... Déjà, c'est pas expliqué comment elle s'est retrouvée dans le passé, mais en plus... Enfin, peut-être que ça va être dit après, je ne sais pas. Mais elle s'est quand même retrouvée dans le temple de l'eau. Mais tu sais, le temple de l'eau, tu sais... Voilà, c'est dur, le temple de l'eau, tout ça. Bon, il faut que je suppose que j'aille aider Darunia, là, qui pleure. Darunia, il croyait bien faire. Pourquoi vous avez gâché le plan de Darunia? Parce qu'il meurt. On va raser leur base. Ok, j'ai complètement raté, c'est beau. Hey, laissez-moi, je suis en train de faire ma super attaque de la mort, là, vous pouvez rien faire. Regarde, c'est les alphos, ils dansent bien, non? Ils visent notre base, nous ne pouvons nous permettre de la perdre, assurons sa défense. On ne peut pas se permettre de perdre le temple de l'eau, bon sang. Compris, protégeons la base, tous ensemble pour qu'elle ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Moi, je veux bien aller chercher des forts en attendant. Ah, parfait, tu vois, j'ai réussi. Ah, c'est encore Dinol, mais toujours Dinol. Il fait tout le temps des bêtises, Dinol. Hein. Mais tu vas mourir, Darunia, t'es sérieux? Ah, c'est fermé. C'est nul. Pourquoi c'est fermé? Ah oui, il va très à la base, lui. Je crois qu'il a pas compris. Je crois que lui, ça doit être un ancêtre du Brachidio, je pense. Parce qu'il tourne en rond. Tout le monde dit à Darunia de ne pas en faire trop, c'est beau. Tout le monde aime Darunia. Et Darunia, il aime personne, il aime que le héros du temps. C'est ça qui est triste. Oh, je pense qu'il apprécie quand même ses Gorons. Ah, il aime bien son fils aussi, je suppose, quand même. Après, il aime tellement le héros qu'il a quand même donné le nom du héros à son fils. Oui. Donc bon. Regarde un Dinolfos qui vole. C'est pas tous les jours que tu vois ça. Ah oui, il est mort. Non mais partez pas, restez là, j'ai besoin de vous tuer pour faire des kills, pour augmenter mon nombre et ensuite aller chasser des sculptures là, vous voyez, vous comprenez. Pourquoi il y a des moblins de l'univers de Fae qui sont dans l'univers de Ocarina of Time? Ah bah c'est ça les incohérences temporelles, tu vois. À force d'avoir ouvert des portails partout. Il est en train de mourir. La sorcière elle envoie n'importe où. Il est en train de mourir. Je ne tiendrai plus très longtemps. Faut que j'aille sauver Darunia. Regarde, tu vois, avec son cercle vert. Tu vois, en plus, Ruto, elle le sait. Oui, enfin, Ruto, elle le sait, mais elle fait rien. Faut pas non plus rigoler. Quoi. Ah oui, tiens, c'est vrai que la particularité du Hyrule Warrior Legend, c'est que je peux changer de personnage comme ça. C'est bien, j'ai pris alors madame. Pourquoi est-ce que tu dis que je peux jouer que Linkel si au final tu peux jouer Ruto, hein? Ah, j'avais oublié. D'ailleurs, il y a un coffre pour Ruto aussi dans ce... Ouais, il faut qu'on le trouve. Pour ça, là, Je vais tout récupérer. Bah c'est bien dans le sens que comme ça au moins, je veux dire là Ruto, enfin je sais pas si c'est le cas aussi dans Hyrule Warrior Legends, alors je vais pas trop le dire, mais t'es obligé de la débloquer dans le mode aventure du coup.
Et du coup, c'est un peu pénible que tu sois au contraint d'aller la chercher plus tard, et enfin de revenir ensuite plus tard pour aller chercher son quart de cœur, parce que machin, bidule. Bon, il est où le boss du fort? Par exemple, le boss du fort, il apparaît plus au milieu, alors c'est un peu pénible. Ouais, tu tires tout partout avec tes arbalètes et c'est bon, ça devrait marcher. D'ailleurs, elle est niveau combien, Auto? Elle est niveau 7, incroyable. Quelle force! Alors, est-ce que tu penses il, que... Il est content, Darunia, de pas réussir à atteindre Volga. Ah, ça y est, j'ai fait... Est-ce que tu penses que... J'ai fait mes 1000 kills. Les coffres, ils sont tous dans des donjons. Est-ce qu'il va encore falloir courir partout pour en trouver un, hein, au hasard? J'espère qu'il va pas falloir courir partout pour en trouver un. Hein. Mais c'est pas grave, parce qu'on j'atteindrai à la fin. Là. J'irai me balader sur la map, ok? J'ai compris. Allez, 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 un petit coffre, là? Non, même pas. Quelle arnaque. Muscule, tu l'as, elle est apparue. Non, elle est où? Elle est là, dans le coin. Oh, techniquement, c'est une skull, tu l'as. Tu l'entends? Parce que moi, je l'entends, mais je ne la vois pas. Alors, tu coup, ne penses qu'à toi? Par frustration, je vais la tuer. Je vais le tuer, lui. Elle est peut-être à gauche. Si gauche il y a, oui, c'est bon. Ah. Très bien caché. T'avais l'impression que je l'avais pas récupéré, n'est-ce pas? C'est vrai, j'y ai pensé. Bon, alors apparemment, je dois aller shooter dans Dino les trucs bidules. Alors, il est où Dino les trucs bidules? Je crois qu'ils sont tout en bas. Ils sont en bas, oui. D'ailleurs, oui, voilà, par contre. Regarde là, avec son armée! Par contre, voilà, tu vois, dans ce donjon là, par contre, t'as pas le droit d'avoir des. De hibou. Ah, il est là, j'allais dire. Oui, voilà, de hibou. Lui, il est gros, hein. Il a mangé beaucoup de chips. Mais t'inquiète pas, ça fait pas peur à Linkle. Et c'est pas très gentil faire des attaques comme ça. Ouais. Il est où les ailes d'ailleurs? Je sais pas. Je crois qu'ils étaient toujours ensemble. Genre c'était les best bros ever, tout ça, tout ça. J'arrive pas à croire que c'est moi qui ai rien et a eu raison de nous. Je dois me faire vieux. Et quand même, Dino, il meurt souvent quand même, hein, dans cette aventure. Nous n'allons pas perdre contre des futurs fossiles. Il y a beaucoup moins d'ennemis qui s'en prennent à la base maintenant. Ah mais il y a toujours les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font là? Ok, ils protègent quelqu'un qui est mort. La porte du fort. Ah non, il y a quelqu'un qui est en danger, il faut que j'aille le sauver. Ok, lui il reste là par contre, un joueur, ouais non. Mais... Wow, ok, Dinol! À tes souhaits? Ah, il est là, regarde, il était là en fait. Oh, il y a plein de gens qui ont des problèmes. Bah alors, Ruto, si t'avais changé de personnage et que t'avais pris Ruto, t'aurais pu les soigner du coup? Oui, mais elle est nulle, hein, alors du coup. Ah bah, Darunia est encore en difficulté. Il se prend pour Impa, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu te prends pas des attaques? Oui, des attaques, bien sûr. Regarde, t'as vu? Oh purée, comment il a dégringolé dans les escaliers, ça doit faire mal, quand même. Bon, il est passé où? Il me reste plus il qu'un est fort. Tout en haut, en fait. Il me reste plus qu'un fort, mais non, il est pas encore en danger, il est juste en difficulté. Ah, ok, alors c'est bon. Bon, ça veut dire qu'il y a bien un coffre qui est caché quelque part, du coup. Malheureusement. Oh là là, Ruto, elle pense qu'à la défense de sa base, elle en a rien à faire de Darunia. Il est là, il est là. Oh, il aurait pu mourir. T'as tout raté. Voilà, j'en ai obtenu un. Alors c'est pour qui, 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 c'est pour qui? Pour Lincoln. Bon, bah on a plus qu'à se balader avec Ruto maintenant. Fantastique. Et là, Linkle, elle se balade toute seule et... Elle tue le boss. Et elle tue le boss. Bon, ça va. Normalement, ils font pas ça. Ils vont se balader, ils vont perdre plein d'HP, et ils vont pleurer parce qu'ils ont plus de vie, mais c'est tout, quoi. Ah, un boulet. Qui n'attend plus que d'être explosé. Oh! Regardez-moi ça.
C'est pas tous les jours qu'on voit Ruto ouvrir un coffre, n'est-ce pas? Bien joué, Ruto. Bon, et eh bien maintenant, il va falloir la difficulté. Avant que Darunia meure, est-ce qu'il a plus de vie? Déjà, va falloir... Quelque chose me dit que c'est un échec. Il est pas encore mort. Peut-être que tu peux battre tout le monde. Autour de regardez-le, il est beau avec son quart de cœur restant. Il protège est beau. Bien Darunia. Allez, laisse-moi rentrer Darunia. Et va-t'en. Aidez Darunia à avancer jusqu'à sa destination. Ouais. Vous avez aidé Darunia, il récupère sa vie au moins. Bah non. Non. Eh Volga, montre que t'es un vrai guerrier, viens affronter le grand Darunia. Et puis là, il meurt, tu vois. Il meurt face à des petits beaux gobelins. J'ai réussi à arriver jusqu'ici, tu me plais, je serai ton adversaire. Je sais pas si ma fée, elle fait un truc, on va essayer. Non. Dommage. Non, toi tu restes en arrière et tu vas dormir, Darunia, ok? Allez, faut éliminer Volga avant que Darunia meure. Et toi, va aider Darunia! Mais on peut plus aider Darunia! Bah là, il est mort. Allez, zut. C'est cool parce qu'il y a un point. Il vient juste, tout juste maintenant de faire un point de sauvegarde. Alors, du coup, je vais recommencer à l'infini avec Darunia qui a 1 HP. C'est pas grave, Darunia. Il est trop fort, Darunia. Il est trop fort, Darunia. Rien à dire sur Darunia. C'est le meilleur. Bon, cette fois-ci, ils ont décidé de continuer le jeu sans moi. Parce que ils en avaient marre de m'attendre. Enfin, non, en fait. Je veux dire, c'est moi qui attendais. J'attendais juste que la sculpture repop, mais ils parlaient tellement. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont tué tous les mobs. Ou alors, j'ai tué tous les mobs avant de partir, je ne sais pas. Et du coup, ben, ils sont pas très sympas avec moi, franchement. Vas-y, regarde, il va sauver Darunia. Il est en train de vite mourir. Mais il y avait tellement de dialogues que la Skulltula n'apparaissait pas, alors que ça faisait longtemps que t'avais battu 1000 ennemis. Et du coup, pendant ce temps, Darunia se faisait tuer. Et pendant ce temps, Darunia a ouvert la porte de Volga. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il est difficile de jouer à Hyrule Warrior en mode scénario avec tous les dialogues qu'il y a. Je perds l'avantage, je ne pensais pas trouver un adversaire aussi valeureux chez les Gorons. Ils ont rien fait les Gorons, ils sont nuls. Darunia il meurt tout le temps. Il essaie de battre Impa. Ah, il Darunia se bat avec un tel acharnement, prenons exemple sur lui. Est-ce que le jeu se moque de lui-même? Regarde-le, là. Vous voyez l'acharnement là dans les yeux de Darunia, ça se voit, n'est-ce pas? Écoute, lui au moins il a des lumières dans les yeux. Il a pas le regard vide de ses congénères. Ah, parfait, merci Volga d'avoir participé à cette vidéo. Ah, bien joué, il a quand même tué deux fois Darunia. Hein. Bon. Mon frère! Mais... Ah bah ouais, mais c'est bon, on est son frère maintenant. Hein? Mais je suis une fille! Ah, ma boussole brille encore! Regarde, c'est bon, Link, elle s'en va vers le château d'Hyrule, t'es prête? C'est sûrement parce qu'on a réussi à repousser l'ennemi, alors direction le château d'Hyrule! Pourquoi tu vas à tout prix aller dans le château? Mais je vais dans le château et c'est tout! Je suis sur la bonne direction. Je suis sûr que c'est par là. C'est forcément par là. Attends, le jeu va nous dire en fait c'était quoi le chemin canon pour aller au château d'Hyrule. Ah, tu vois, déjà tu commences dans le temple de l'eau, tu vois. Parce que, tu vois, c'est l'endroit où il faut commencer. Ça veut dire qu'elle a vaincu Volga ici? Mais non, elle a marché un peu. Tu vois, comme tu vois, là, j'étais en train de marcher, tu vois. Alors l'endroit, c'est par là. Dans le mur? C'est vers le mur, voilà. Il est là, le château d'Hyrule. Oh là là, t'as aucune imagination, franchement. Regarde, on a obtenu une épée pour Fai. C'est beau. Oh. Ah, je dois me débarrasser de trucs, en fait. Ah, on a obtenu un fruit d'eau.
on a obtenu la tête de Zelda. De Zelda. Bref, c'est ce qui conclura l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous d'être venus et à bientôt pour une prochaine partie. Salut tout le monde. Au revoir tout le monde.